within. Tu fais quoi ici? Je viens t'aider. Et puis, on a bien besoin avec tous ces cartons. Non, j'en ai pas besoin. Merci. Tu pourrais au moins dire merci, hein. Et puis, je me suis dit que t'aurais besoin de compagnie, alors... T'es pas venu pour m'aider, je me trompe. Je sais que c'est pas facile. Non, t'en sais rien. Tu sais très bien que si. Moi aussi, j'ai perdu un être cher. Désolé. C'est la vie. Il a fallu tourner la page. Écoute, je comprends pourquoi tu me dis tout ça. Mais je suis au courant. Tout ce que je demande, c'est du temps. Manon, elle attend pas. Manon? Elle est très gentille, tu sais. Mais c'est quoi ton problème? T'es pas toujours obligé de fuir, Will. Et tu comptes aller où? Je sais pas, j'en ai plus rien à foutre maintenant. Mais ça va mieux ces derniers temps? Non. Mon problème, c'est toujours pas arrangé. J'en ai marre de cette merde. Tu sais, quoi qu'il en soit, je serai toujours là pour toi. Et puis... Il y a des aides pour ça, Mathy. Ok. On se tient au courant. Allô? Je viens d'assister à un suicide.
Hey, excuse-moi, c'est pas toi qui as sauté du pont hier? Non, je crois pas, désolé. Non, si c'est, attends, je te reconnais. C'est toi qui as sauté hier, comment? Juste que je vous dis que c'était pas moi. J'ai eu tellement peur, j'ai même appelé l'ambulance. Vous avez quoi? Bref, vous voyez, je vais très bien maintenant, fichez-moi la paix. Wow! C'était quoi ça? Quoi? Es-tu un esprit? Oh ah, fermez-la! Qu'est-ce qui m'arrive? Si tu avais vraiment sauté hier? Où vous voulez en venir? Plouf, tombée, morte. Quoi? N'importe quoi! Je suis un mauvais rêve. Ah non. Faut vraiment que vous m'aidiez. Pardon, il y a à peine 2 minutes, tu étais prête à me sauter à la figure. Et de toute façon, les fantômes, c'est pas mon truc. Je t'interdis de m'appeler comme ça. Oh, tu me tutoies maintenant. Non, tu m'aides ou non? Mais je sais pas, t'aurais pas oublié quelque chose par hasard? Les mecs, vous et votre fierté. Ou tu peux demander à quelqu'un d'autre si tu veux. Ok, s'il te plaît, t'es content? Tu vois, ça fait du bien le dialogue. Rendez-vous demain matin, ici, à 9h. Je sais pas où dormir. Tu ne te rappelles pas d'où tu viens? Je me souviens de rien. Je peux savoir comment tu t'appelles? Madi. C'est un bon début. Moi, c'est Will. C'est une blague. Tu vis seul? Non. Oui. C'est ta petite amie? C'est privé? C'était ma petite amie, Charlie. Ça va? Ça va. T'es sûr? Ça va. Tiens. Ok, je réfléchis. Si toi tu ignores où tu viens, alors Internet nous donnera la réponse. Tu te rappelles toujours pas ton nom de famille? Tu te rappelles avoir voyagé dernièrement? Je me souviens pas de mon nom de famille, comment voudrais-tu que je me souvienne de là où j'ai passé l'été? Tu marques point. Ok, réfléchis. Si tu viens d'ailleurs, c'est normal que cette ville ne te dise rien. Si ça se trouve, t'as une maladie genre Alzheimer, et le fait que tu te retrouves en plus ici, alors que je sais pas, moi, t'habites à Los Angeles. Oui. Qu'est-ce qu'il y a? T'aimerais revoir Charlie? Pourquoi tu changes de sujet? Pourquoi tu me demandes ça? Est-ce que t'en aurais envie? Tu commences à me faire peur. Réponds-moi. Oui. J'aimerais lui dire au revoir, oui. Tu fais quoi là? Qu'est-ce que tu m'as fait? Parle-lui. Est-ce que c'est l'enfer? Non, Charlie est là quelque part, parle-lui. Quoi? Fais-le, sinon ça marchera pas. Mais... Fais-le, Will. Ok. Charlie, je sais pas si tu m'entends, mais j'aimerais que tu te rappelles de ce jour du 7 novembre 2017. C'est le jour où je t'ai vu pour la première fois. Tu portais un t-shirt de l'équipe brésilienne de football.
tu lisais La Ligne Verte de Stephen King. Je n'avais jamais rien vu d'aussi parfait. Et puis je me rappelle m'être dit, il faut qu'elle m'aime ou je mourrai. Plus tard, tu m'as murmuré que tu m'aimais. C'était à la fête de la rentrée. J'ai ressenti un profond bonheur. Et de la sérénité. Puisque je me suis dit que vu que nous nous aimions, plus rien ne pourrait aller très mal. Et puis le temps est passé. Et j'ai vu que rien n'allait pour moi. Et je t'ai blâmé pour mes échecs. Il est difficile pour moi de me focaliser sur l'avenir. Mais maintenant, je me dis que si je t'aime vraiment, je dois te laisser t'en aller. Charlie? Salut, Will. Je m'en souviens. C'était l'un des plus beaux jours de ma vie. Je vais bien, je t'en veux pas. Tu sais, on traverse tous des moments compliqués. Mais maintenant, il faut aller de l'avant et comprendre ce qui t'a amené ici. Qu'est-ce que tu veux dire? Tout ça fait partie du voyage. Qu'est-ce que tu dois faire? Regarde autour de toi. Tout ce qui te reste. Le voyage sera long. Ça m'a fait plaisir de te revoir. Je t'aime. Pour toujours. Et à jamais. Attends. Je suis désolée. Ramène-moi. C'est fini, Will. Est-ce que ça va? Ça va, je vais bien. Me voilà médium maintenant. Tu vas faire quoi maintenant? Eh ben, retrouver Nancy demain pour le rendez-vous avec Manon. Je pense que, comme l'a dit Charlie, ça fait partie du voyage. Oh. T'inquiète pas, je t'ai pas oublié. On se voit demain, je te promets. Y a pas de problème. Je voulais te remercier pour tout à l'heure. Pourquoi? Pour les pâtes? Eh, elles sont très bonnes, mes pâtes. Non, je veux dire pour Charlie, c'était important pour moi. Il y a pas de quoi, et moi je suis désolée de t'avoir agressé dans la rue tout à l'heure. T'es quelqu'un de bien. Bon, je me réveille tôt demain. À plus. À demain. Elle est où, Nancy? On n'a pas besoin de Nancy, non? Allez, installe-toi. Installe-toi. Je peux t'appeler Maldimor si tu préfères. Oui, c'est très bien, oui. Ok, va pour Will. Sinon, tu aimes le cinéma? Je suis plutôt branché livre. Livre? T'as pas vu le dernier Harry Potter? Le livre était mignon. Ça va? Oui, ça va, elle était pas mal l'épreuve à la fin. L'épreuve? Oui, la bataille. Avec Voldemort. Ah oui, je vois quand tu parles, mais tu m'as l'air un peu déconcentré. C'est quoi ça? T'es sûr que ça va? C'est pour toi. Merci, c'est trop mignon. J'avais jamais eu de bouquet de fleurs avant. On peut jouer une photo? Tu sais, Anne Will. C'est rien, je veux bien. Stay.
T'aimerais aller là-bas? Ça. Sur le rocher là-bas. Ouais, mais... à la nage. Est-ce que tu peux te téléporter là-bas? Sans doute, hein. T'arrives à bien téléporter des objets? Bah, je peux me téléporter, hein. Tu peux me dire pourquoi tu m'as suivi hier soir? Tu pourrais pas simplement dire merci? Grâce à moi, tu t'en es très bien sorti. C'est vrai, et je t'en remercie, mais ça fait partie de ma vie privée. Je m'ennuyais sans toi. Sans moi? Oui, en même temps, t'es la seule personne qui fait attention à moi. Enfin, qui peut me voir, je veux dire. Très bien, on va changer ça. Qu'est-ce que tu aimerais faire dans cette infime immensité? J'ai bien ma petite idée. Du cheval. Me regarde pas comme ça, vas-y, on va en faire. Cause baby, it's like a light storm to be. Je savais pas qu'une romantique se cachait là-dedans. Une romantique? Oui, une romantique. Des couchers de soleil, des chevaux, tout ça. Ah ouais, ça doit être quelque chose que j'aimais dans mon autre vie. C'est incroyable ce que la nature peut nous offrir. Eh ben, j'aurais aimé la rencontrer cette magie d'une autre vie. Will, je me souviens, j'habite ici. Oui, Maddy, on habite ici, enfin je veux dire. Oui, c'est chez moi. Non, j'habite ici avec mon meilleur ami. Ok, c'est quelle maison? Noah? Hey, excusez-moi, bonjour. Vous connaisserez pas, il m'a dit environ 1m60. Quoi? Cheveux frisés. C'était ma meilleure amie. C'était? C'était? Oui. Mais enfin, qui êtes-vous? Dis-lui que je suis ta petite amie. Quoi? Pourquoi? Maddy et moi sommes très liés. Liés? Comment ça? Son petit ami. Non. J'ai beaucoup de mal à vous croire. Quoi? Quoi? Pourquoi? Maddy était incapable de s'ouvrir sentimentalement. Et encore moins ça à un homme. Oh. Bref. Bref, vous pouvez expliquer pourquoi vous vous exprimez au passé? Vous n'êtes pas au courant de la situation? Maddy est en stade 4 de son coma. Ils ne vont pas tarder à la débrancher. Ah, c'est Manon. Vas-y, fonce. Désolé, je te promets de revenir vite. Me revoilà. Tu l'aimes vraiment, cette Manon? Pourquoi? Je sais pas, je la sens pas. Elle fait pas partie du voyage. Ne parle pas de ce que tu ne sais pas. Charlie voulait que je fasse tout ça. Je suis en train de m'éteindre et toi tu préfères aller en date au lieu de m'aider. T'es dégueulasse. Maddy? Je sais que tu es là.
Écoute, je sais ce que tu as vu. J'ai suivi tes conseils aveuglément, sans même essayer de réfléchir ou de regarder autour de moi. Mais j'ai compris. Ce que j'essaie de te dire, c'est juste... C'est juste que... Ça y est, je suis parti. Non. Tu parles à qui, là? À personne. Tu te fous de moi? Dis-lui que je suis avec vous. Oh! Tu vas peut-être pas me croire, mais là, juste en face de nous, se trouve le spectre d'une femme qui est actuellement dans le coma. Et je dois l'aider. Bon, Will, je suis fatigué là. Qu'est-ce qui se passe? Explique-moi, parce que vraiment, je comprends pas. Je nage en plein délire. N'abandonne pas. Non, oui, tu nages en plein délire. Ok? Et c'est pour cela que maintenant tu seras sous tutelle, sous la responsabilité de Nancy. Parce que j'en peux plus, là. Nancy, déconne pas, tu vas pas l'écouter. C'est pour ton bien, oui. Comment t'as pu me faire ça? C'est de la folie sénile. Puisque je me dis qu'elle est là, juste en face de nous. Montre-lui, on m'a dit. Bon, Nancy, je te laisse parce que c'est trop compliqué. Nulle part. Le juge t'a passé sous surveillance. Tu te sauves, tu seras recherché. Et t'as un traitement à prendre, 5 fois par jour. Celui-là? Allô, Nancy? Ah, Nancy, elle arrive. Fais-nous confiance, Will. T'as appris. Je Elle est où, Maddy? Laisse-moi sortir, pitié. Tu te rappelles ce que papa nous a dit? Il nous a demandé de nous faire confiance. Fais-moi confiance. Désolée, oui. Non. Tu n'as pas à être désolée. Non, écoute, j'ai retrouvé la mémoire. Et le soir du 5 mars, j'étais au bord du gouffre. Je refaisais une chute. Elle t'a sauvé. Elle est morte par ma faute. Maddy, non. Écoute, je te pardonne. J'ai pardonné, Maddy. Écoute, je te remercie pour tout ce que tu as fait pour moi. Grâce à toi, j'ai pu faire mon deuil. Maddy? Maddy, t'es là? Maddy, t'es là?
coup, t'as un problème avec mes chaussettes. Ouais, t'es un ouf. Comment fait-il la soeur? Ah, mamie. Je ne fais pas, je vais dormir. Maddy? Oui.